Le poète. Ok. Ok, le numéro de téléphone est inchangé. Ok. Une mutuelle. Je crois que vous n'en avez pas. D'accord, ok. Vous avez changé. Vous avez une carte de tiers payant. Et le Doliprane. Je vais vous chercher ça. Alors voilà. Est-ce que vous connaissez un petit peu? Vous préférez que je vous remette la... Vous voulez que je vous note sur la boîte? Oui, effectivement. On ne comprend pas trop l'écriture du médecin. Donc effectivement, je vais vous le renoter sur la boîte. Passe-fond, celui-ci, c'est du passe-fond lioc, c'est-à-dire qu'il est plus facile à prendre, vous pouvez le prendre n'importe où. Il suffit juste de le faire fondre sous la langue. Voilà. Donc, bah écoutez, oui, ça se présente sous forme... Bah, je peux pas l'ouvrir. Oh, non, ce sont pas les petits cachets roses, ce sont justement les blancs. Ils sont un peu plus grands, mais ils fondent plus facilement sous la langue. C'est ce qui est plus pratique, effectivement, parce que ça agit plus vite. Le fait que ça fonde sous la langue, oui, tout à fait. Parce que ça arrive beaucoup plus vite dans le sang. En laissant fondre sous la langue, ça permet que le médicament agisse plus vite et soit plus efficace, enfin, pas plus efficace, mais en tout cas, agisse un peu plus vite que si vous l'avaliez avec de l'eau. Tout à fait. Alors, je vais vous renoter sur la boîte. Donc, c'est un le matin. Un le midi. Un le soir. Suivant douleur. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez mal, vous pouvez en prendre jusqu'à un le matin, un midi, un le soir. Par contre, si vous n'en ressentez pas spécifiquement le besoin, ça ne sert à rien d'en prendre plus que ce qu'il ne faut. D'accord? D'accord. Ensuite, le Doliprane, vous connaissez également. Oui, celui-ci, c'est pour les enfants. Voilà. Il y a un côté pratique, effectivement. Oui, le spasmo, vous m'avez dit, c'était pour votre fille. Oui, d'accord, ok. Mais ce que j'allais dire, c'est pas logique que ça soit sur la même ordonnance. Le spasmo et le Doliprane, mais si, effectivement, c'est pour votre fille, ok. Donc, il faut faire très attention à ne pas trop en prendre. D'accord. C'est en fonction du poids. Oui, tout à fait. Pour les enfants de 16 à 48 kilos. Et donc, ce sont des petits sticks. Faciles à transporter. Également, donc vous pouvez toujours en avoir un dans votre sac à main par exemple,
ou elle peut en avoir un dans la poche de son jean. Exactement, oui, tout à fait. Par contre, il faut un minimum de 4 à 6 heures entre chaque prise. D'accord, oui, le médecin vous l'a bien dit également. Ok, donc là c'est pareil, ça sera 1, 6 douleurs, sans dépasser 3 par jour. Voilà, et en laissant 4 à 6 heures. Il y a du paracétamol dedans, donc c'est un antidouleur effectivement, mais donc c'est sans sucre et ça, il y a un arôme fraise qui fait que les enfants le prennent assez facilement quand même, il n'y a pas de souci. Voilà, vous voulez un petit sac ou pas? Non, ça va aller. Ok, alors attendez, je vous redonne votre carte ainsi que votre carte santé. Alors, donc il vous reste, avec la carte avance santé, il vous reste un montant de... Attendez, je vais afficher. 3,50 €. Ok, donc avec la carte avance santé, il n'y a pas de souci. Surtout, alors a priori il y a un renouvellement, donc vous pourrez oui, il y a un renouvellement, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez revenir avec votre ordonnance dès que vous aurez fini les boîtes. Voilà, merci, bonne journée à vous. Ah oui, mais ça ne faut pas que je me trompe, ce sont les médicaments que Monsieur Duguel m'a rapporté tout à l'heure, qui ne sont plus bons. Oui, bonjour. On s'occupe de vous? Non? D'accord. Vous désirez? Vous avez des soucis, d'accord, au niveau des yeux, un genre de conjonctivite? Oui, effectivement, vous avez l'air d'avoir les yeux un peu rouges. Ça vous démange? Oui, d'accord, ok. Mais vous ne voulez pas passer par le médecin parce que vous avez un... Enfin, c'est pour vous soulager en attendant le rendez-vous chez le médecin? Oui, bien sûr, oui, des fois les médecins c'est un peu long avant d'avoir un rendez-vous, c'est compliqué. Donc on va essayer de vous soulager en attendant. Ok, je reviens tout de suite, je pense savoir ce qu'il vous faut pour vous soulager, en tout cas momentanément, jusqu'à votre rendez-vous. Voilà, alors, c'est du Dulcilarme, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un collyre en unidose, voilà. Oh, bah, c'est-à-dire, attendez, je vais vous ouvrir le paquet si vous voulez. Ce sont des petites doses en plastique, unidose, c'est-à-dire, oui c'est ça, c'est-à-dire que ça ne sert qu'une fois, exactement, voilà. Vous vous en servez une première fois, vous mettez quelques gouttes dans chaque œil, voilà, et ensuite vous pouvez le jeter. Oui, il y en a assez jusqu'à votre rendez-vous de médecin, il n'y a pas de souci, ça se présente sous un petit sachet comme ceci. Et donc ce sont des petites doses en plastique à l'intérieur. Je pense pas que celle-ci se rebouche. Il y en a qui se rebouchent effectivement. Vous pouvez vous en servir plusieurs fois dans la journée. Celle-ci, je ne suis pas sûre. Il faudra regarder sur la notice. Oui, bien sûr. Alors voilà, effectivement, c'est comme ceci.
Oui, voilà, ce sont des petites douces comme ceci. Mais en fait, il y en a très très peu, c'est-à-dire qu'elles sont grandes, mais il n'y en a qu'un tout petit peu à l'intérieur en fait. Donc il y a juste assez pour vous mettre une ou deux gouttes dans chaque œil et c'est tout. Voilà, exactement. Parce que les bactéries peuvent vite s'accumuler. Et, voilà, c'est par mesure d'hygiène, il est préférable d'en utiliser une à chaque fois que vous en avez besoin. Voilà, donc là il y en a 60 doses, donc vous avez de quoi faire hein, avant votre rendez-vous de médecin. Oh ben il n'y a pas de souci, c'est sans conservateur de toute façon. Donc oui, tout à fait. C'est un produit relativement neutre, hein. C'est surtout un collyre pour nettoyer vos yeux, pour enlever toutes les saletés qu'il y a à l'intérieur et ça va vous soulager au niveau de vos démangeaisons. Si vous en mettez de façon régulière, ça doit vous soulager normalement. D'accord ? Voilà, c'est vraiment en attendant votre rendez-vous de médecin. Votre médecin vous prescrira probablement des gouttes plus adaptées à votre cas, à moins que ça soit soulagé d'ici là avec ce produit. Voilà, il n'y a pas de souci. Il vous fallait autre chose ? Oui, donc, parce que pour... D'accord, un genre d'huile pour hydrater la peau. Ok. Pour laisser agir ou juste pour hydrater et puis on peut ensuite vous maquiller. D'accord. Oui, un effet nourrissant, un masque. Il n'y a pas de souci. Je vais voir ce que j'ai. Je vous ramène ça tout de suite. Est-ce que vous connaissez l'huile de castor ? Ce n'est absolument pas une huile de castor. C'est le nom, mais c'est de l'huile de ricin. Avez-vous déjà utilisé ? J'en ai justement là, devant le comptoir. Voilà. Oh, bah écoutez, c'est une huile qui est à appliquer et en même temps pour la peau et pour les cheveux, si vous avez besoin aussi de nourrir vos cheveux. Voilà, ça laisse la peau toute douce et bien hydratée et en plus c'est anti-ride. Si vous l'appliquez de façon régulière, voilà, et puis ça enlève toutes les petites imperfections au niveau de la peau. C'est ça, c'est son usage régulier qui fait que qu'il y a des effets bénéfiques, mais dès la première application déjà, vous sentez que vous avez la peau plus hydratée, plus douce, oui. Alors, bien sûr, par contre au niveau de la texture, je crois qu'il n'y a pas d'odeur. Attendez, je vais le faire si vous voulez. Non. Non, écoutez, c'est assez neutre hein, comme odeur. Par contre, juste pour vous prévenir, il y a un côté un peu, comment je pourrais dire, un peu collant. Voilà, un peu comme si vous appliquiez du miel sur le visage. Mais voilà, il y a un effet un peu collant, mais bon, c'est très efficace et 100% naturel. Donc je vous le recommande vivement. Oui, tout à fait, là, je vais vous dire ça tout de suite. Alors attendez, je crois que le prix... Non, le prix n'est pas dessus, je vais vous dire ça, je regarde. Donc, l'huile de Castor. C'est quelle marque celui-ci ? $5,90 celui-ci. Oui, en plus c'est un bon rapport qualité-prix. Bah écoutez, voilà. Donc, pour la petite conjonctivite et pour votre visage et également pour les cheveux. Voilà, ça vous fera. Ça c'est combien ? Tac, le collyre. $9,90, s'il vous plaît. Oui, par carte, pas de souci. Merci. Voilà, merci bien. Bonne journée, au revoir. Oui. Oui, tout à fait. C'est ce que je te disais tout à l'heure. On a reçu, je regardais tout à l'heure au niveau du stock, on a reçu la commande de Madame Henriette. Tout à fait, elle va venir la récupérer tout à l'heure. Oui, excusez-moi deux minutes. Je suis à vous tout de suite.
Alors, je sais plus. L'autre jour, c'est son fils qui est passé chercher la commande de médicaments. Mais cette fois-ci, je ne sais plus, je ne me souviens plus exactement. Oui, mais on appellera Madame Huguette tout à l'heure. Madame Henriette, tout à l'heure, pour savoir. Ok, pas de souci. Ah oui, excusez-moi. Bonjour. Vous désirez? Oui, c'est-à-dire que vous avez des problèmes de... D'accord, vous êtes assez nerveuse, stressée, ok, mais vous voudriez quelque chose d'assez naturel. Il n'y a pas de souci. Vous voulez quoi en... Si on a des herbes, écoutez, oui, je crois que nous avons ça. Je vais aller voir dans le stock, mais il me semble que nous avons ça. Attendez, je vais vérifier. Nous avons ça. Alors oui, c'est 5 euros les 100 grammes. Nous avons un mélange d'herbes justement de... Je crois que c'est... Alors d'après ce que je vois là sur l'écran, alors c'est un mélange de feuilles de romarin et d'olivier. Ah bah ça aide complètement à la relaxation, c'est complètement naturel. Vous pouvez prendre ça sous forme d'infusion. Tout à fait, il faut laisser infuser un petit moment. Bon, 5 petites minutes et puis voilà, quoi, vous pouvez profiter de tous les effets, de tous les bienfaits de ces herbes. Oui, je vais aller vous chercher ça, je vais vous les faire sentir déjà, vous me direz si vous, rien qu'à l'odeur déjà, si ça vous plaît. Effectivement, si l'odeur ne vous plaît pas, il est probable que le goût ne vous plaise pas non plus. Voilà, je vais vous chercher ça tout de suite, je reviens de suite. Du romarin, de l'olivier et il y a également de l'aubépine. Voilà, avec un arôme naturel de pêche. Tout à fait. Tout à fait, le mélange fait que effectivement. Oh ben vous pouvez en boire également dans la journée, il n'y a pas de souci. Bon, le mieux c'est le soir avant de s'endormir. Comme ça, vous êtes sûr de passer une très bonne nuit. Vous êtes sûr de passer une très bonne nuit? Vous voulez sentir? Ça sent très bon, effectivement. Oui, tout à fait. Écoutez, je vais vous en mettre... Alors, 100 grammes, c'est à peu près l'équivalent de 5 cuillères, si je me souviens. Oui, en plus les brins sont assez gros, hein, plus que dans une infusion habituelle. Oui. Vous avez un genre de boule à thé? Oui, bah vous en mettez l'équivalent de la boule à thé, vous laissez infuser, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous en mets 5 cuillères à peu près. Bon, je pense qu'une cuillère, ça fait une boule à thé. Après, tout dépend. Si c'est pour essayer d'abord, on va faire ça. D'accord? Et si ça vous plaît comme ça, vous reviendrez en chercher. On fait comme ça? Ok. Donc, je vous en mets 5 cuillères.
je vais vous le noter dessus pour vous rappeler qu'il s'agit de romarin. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est ça. Romarin et olivier. Et donc voilà, une cuillère, non pas une cuillère, une mesure dans la boule à thé. Surtout au moment du coucher. Mais après, si le goût vous plaît, vous pouvez tout à fait en boire tout au long de la journée. Ça vous aidera à garder votre calme, votre sérénité tout au long de la journée. Tout à fait, oui. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est vrai, quand on en boit juste avant de se coucher, on a tendance à se relever la nuit pour aller faire pipi. C'est un peu l'inconvénient des infusions. Oui, mais c'est complètement naturel, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Est-ce qu'il vous fallait autre chose? Oui. Quel âge a-t-il? D'accord, donc il tousse beaucoup. Ok. Oui, alors le Vix, non, ça va être trop fort pour lui, effectivement. Par contre, j'ai un autre baume que vous pourrez lui appliquer également sur la poitrine, qui est à base d'huile essentielle, mais adaptée au niveau dosage pour les tout petits. En plus, il sent très bon, et donc il pourra bénéficier en même temps de l'odeur et des bienfaits de ce baume, justement, pour limiter la toux un maximum. D'accord, je vais vous chercher ça, je reviens tout de suite. Ah, bah, attendez, je crois que j'en ai juste là. Oui, on nous l'a livré tout à l'heure, donc voilà. Voilà. Donc, oui, tout à fait. Bon, c'est le comptoir aroma. C'est un baume pectoral aux huiles essentielles bio. Voilà, ça apporte réconfort et ça apaise à l'hydrolat de pain sylvestre. Voilà, kid, exprès pour les enfants. Tout à fait. Oh, bah, écoutez, vous avez juste à lui en appliquer pareil avant qu'il aille se coucher. Voilà. Ça va le détendre. Et oui, tout à fait. Bon, c'est juste un tube comme ça, vous voyez. Un tube comme ceci. Donc ça sent très bon, il faut juste faire attention à ce qu'il ne mette pas à sa bouche. Hein. Voilà. Oui, bah pareil, en attendant d'aller voir votre médecin si jamais ça durait, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il a de la fièvre? Non. Bon, alors déjà, c'est une très bonne chose. Ok, bon, écoutez, donc je vous donne ça ainsi que votre infusion. Voilà. D'accord, vous avez un compte chez nous? Ok. Ah oui, c'est ça, Madame Martin. Oui, ok, c'est souvent votre mari qui vient payer. Ok. Bah écoutez, oui, c'est noté. Donc, Madame Martin, 13,25 €. Voilà. Je vous en prie. Merci, au revoir. Bonjour. Oui. Vous avez à quel niveau? Sur votre bras? Ok, vous avez reçu un choc? Vous êtes... Non, c'est juste au niveau de l'articulation. Vous cherchez quelque chose qui vous soulage au niveau des articulations? Oui, je comprends bien. D'accord. Mais ça vous le fait qu'à un bras? L'autre, non? D'accord. Est-ce que je peux regarder? Ça vous fait mal quand je touche? Là, est-ce que quand j'appuie, vous avez mal? Ou est-ce que c'est uniquement quand on passe la main dessus? D'accord. Ok. Et donc, vous avez du mal à plier votre bras? Oui, je comprends. Mais vous ne savez pas exactement ce que vous avez eu, si vous avez reçu un coup ou quoi que ce soit?
Non. Bon. Alors, donc, oui, le baume du tigre, vous connaissez? Oh bah écoutez, c'est magique en fait. Ça a une odeur très forte. Ça sent à moitié la cannelle, mais c'est réputé vraiment pour être efficace. Bah, quand vous l'appliquez, ça fait une espèce de pâte rouge et vous massez votre bras avec. Vous allez ressentir au bout d'un moment un petit peu de chaleur en fait. Oui, ça a une odeur très forte. Hein. Faites attention parce que ça tache les vêtements. Oui. Mais par contre, c'est assez efficace. Vous en mettez de façon régulière et vous verrez, ça va vous apporter. Ça va peut-être pas vous guérir parce que je ne sais pas exactement ce que vous avez. Il faudrait peut-être consulter un médecin. Mais en tout cas, je peux vous assurer que ça vous soulagera. Tout à fait. Voilà, exactement. Ou vous en prenez juste l'équivalent d'une petite noisette dans la main et vous appliquez ça en massage sur votre bras. Voilà, bon après n'hésitez pas, si vous avez encore mal, vous pouvez passer, il y a d'autres choses. Hein. Alors parce que j'ai également du diclofénac en gel, mais ouais, je préfère d'abord que vous essayiez l'autre. Tout à fait. Celui-ci, il est très efficace également, mais il est sur ordonnance. Donc de toute façon, il faudrait que vous alliez voir votre médecin si jamais la douleur persistait. Entendu? Ok, bon, écoutez, on va faire ça. Je vous donne le baume du tigre. Oui, ça c'est 6,50. D'accord, en carte bleue, pas de souci. On s'en contacte, tout à fait. Il fait beau aujourd'hui. Hein. Bon, ça change, on a eu plein de jours de pluie là, récemment. Ça vous arrive souvent quand il pleut? Ah bah alors ça faudra peut-être étudier de ce côté-là alors. Ça arrive, hein. Ça arrive. Hein. Oui, tout à fait. Par moment on a les articulations. Oui, en fonction du temps. Quand le temps est humide, qu'il pleut beaucoup, on a tendance à avoir plus mal hein, par moment. Certains sujets, effectivement, c'est pas pour tout le monde pareil, mais il y a des gens qui sont assez sensibles à ce niveau-là. Tenez, je vous rends votre carte. D'accord. Oh, bah écoutez, je vous remercie, je vous en prie. Passez une bonne journée. Au revoir. Oui, bah écoute, on va pas tarder à fermer là, oui. Bah c'était le dernier client, je crois qu'il n'y a plus personne là dans la pharmacie. Oui, mais bah, on va fermer. Ok, on va faire ça. Oui, bah écoute, je vais m'occuper d'aller baisser le rideau et éteindre les lumières. On fait ça. Hop, j'éteins l'ordinateur. D'accord, c'est toi qui éteindras? Oh bah c'est gentil, donc je peux partir plus tôt. Oh super, t'es un amour. Bonne soirée.